Thank you.
dans le souci, dans les épreuves, dans la tentation, dans la maladie, Père. Oh, même dans le succès et même dans la réussite. Nous voulons vraiment t'aimer et te servir, Seigneur. C'est toi qui es notre vie, Seigneur. C'est toi qui donnes un sens à notre vie, Seigneur. Si tu n'étais pas là, Seigneur, où serions-nous aujourd'hui, Seigneur? C'est pourquoi nous dansons pour toi. C'est pourquoi nous chantons pour toi. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour te remercier, Seigneur. Ce soir encore, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Comment ne pas te louer, notre Dieu? Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, Seigneur. Tu nous as accordé un salut éternel, mon sauveur. Chaque fois que nous prions à toi, l'éternel entend nos prières, Seigneur. Parce que tu es dans le temps, notre Dieu. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que quand nous sommes faibles, c'est toi qui nous fortifies, Seigneur. Merci parce que quand nous sommes malades, c'est toi qui nous guéris, notre Dieu. Merci parce que quand nous n'avons plus l'espoir, l'espoir se trouve en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre espérance, notre Dieu. Tu es l'appui sur lequel nous nous fondons, Seigneur. Le rocher sur lequel nous accrochons, Seigneur. Dans les vents souffle, mon sauveur. Et que les torrents se déchaînent sur nous, notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller, Seigneur. Si ce n'est que dans tes bras, notre Dieu. Bénis-nous encore ce soir, Seigneur. Nous sommes venus vers, oh, fatigués du poids de la journée, mon sauveur. Mais dans ta maison, Seigneur, nous sautons comme des veaux sur tous les cas. Dans ta maison, nous sommes rajeunis, Seigneur. Dans ta maison, nous sommes fortifiés, Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Seigneur, même si je viens avec un dos bien chargé, mon sauveur, je sais que c'est auprès de toi que je vais me décharger, Seigneur. C'est toi qui as porté mes péchés. C'est toi qui as porté mes fardeaux. C'est toi qui as porté mes souffrances, mon sauveur. Je te loue, je te bénis, mon sauveur, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Aucun homme ne peut te ressembler, Seigneur. Même quand les hommes nous condamnent, mon sauveur, toi tu nous justifies, Éternel. Louange et honneur à toi, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi, Golgotha, Seigneur. C'est un oh, une œuvre merveilleuse, mon sauveur. Chaque fois que nous crions à toi, l'Éternel entend, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de Golgotha, mon sauveur. Ton sang a coulé pour nous laver, nous purifier. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Tu as payé le prix de notre rachat, mon sauveur, malgré nos péchés, nos fautes, nos manquements, Seigneur. Lorsque nous crions à toi et que nous confessons, Seigneur, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, mon sauveur, et nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Tu nous as libérés de tous les systèmes de ce monde éternel. Tu nous as libérés de tous les liens par lesquels Satan nous avait liés, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, notre Père. Ce soir encore, nous sommes venus avec des cœurs disposés. Seigneur, nos cœurs sont à toi, nos vies sont à toi. Viens encore nous parler, Père, comme tu l'as fait le mardi passé, le jeudi passé, le dimanche passé. Aujourd'hui encore, tu es le même, Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu nous parleras encore ce soir, Seigneur. Tiens ton serviteur dans le creux de ta main. Seigneur, nous prions pour lui, oh Père, que tu le restaures, que tu le visites encore, que ton onction soit sur lui et en lui, Père, qu'il soit conduit par ton Esprit Saint, que l'ange de l'Éternel soit au rendez-vous, Seigneur. Nous voulons te toucher, nous voulons t'entendre nous parler. Seigneur, viens encore essuyer nos larmes, viens nous fortifier, Seigneur, viens nous encourager, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, entends nos cris, entends nos prières, Seigneur. Viens encore nous bénir, nous visiter. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui est venu encore avec une grande attente, avec un cœur bien disposé, pour te recevoir et t'écouter encore nous parler. Seigneur, prends le contrôle de tout, que tout esprit qui n'est pas de toi soit réellement chassé de ce lieu, tout esprit de sommeil, de fatigue, oh Dieu. Nous voulons être attentifs, Éternel. Écoutez réellement la parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Béni sois-tu, Seigneur. Sois avec nous pour tout ce temps. À toi la gloire. Merci pour les chants de l'écantique. Merci pour toute chose éternelle. À toi de nous demander ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons ainsi prier, Père. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse devant nous. Nous allons venir. Nous allons lire le psaume 68. Psaume chapitre 68. Lisons la parole du Seigneur. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux.
Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fendirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu, contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel cependant en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux et le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous de ton temple du règne Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents, épouvant l'animal des roseaux, la troupe de taureaux avec les veaux de peuple qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. Te dire merci. Comment ne pas te glorifier, notre Dieu? Comment ne pas rendre gloire à ton Saint-Nom lorsque nous pouvons nous regarder aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui? Ce n'est pas ce que nous étions hier. Gloire te soit rendue au bénéfice de personne parce que réellement tu nous as changé. Ta parole à toi la puissance de transformer les hommes et les femmes vraies. Aujourd'hui, nous sommes un peuple mis à part, au travers de qui tu travailles, mon bénévole Père Puissant, un peuple auquel tu as ouvert les oreilles, mon bénévole Père Puissant, pour entendre aussi ta voix, toi, mon bénévole Père, tu as ouvert les yeux, mon bénévole Père Puissant, pour que nous puissions réellement aussi te voir à l'œuvre, mon Père. Seigneur, tu nous as ramenés à toi,
Louange et honneur à toi encore ce soir, notre Père. Nous voulons vraiment prier vers toi pour te dire, tu es vraiment très grand, tu es vraiment très haut, tu es vraiment le Tout-Puissant. Tu m'as changé, tu m'as transformé, Seigneur. Tu as changé mon frère, tu as changé ma soeur, tu as changé nos enfants. Louange et honneur à toi. Oh, tu es vraiment le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Hier, nous étions dans la boue, et nous sommes lavés par toi, Père. Oh, sommes notre nom est béni, le Père Dieu. Ton nom est si grand, mon sauveur. Ce soir, nous voulons te dire encore merci pour la grâce d'être venu dans ta maison, à toi, Père. Père, nous ne voulons jamais lancer de toi, mon sauveur. Nous voulons davantage avoir votre amour pour toi, Père Tubissant, et t'exalter encore pour ton amour et ta bonté à notre endroit, parce que toi, tu ne t'es jamais lassé de nous, Père. Louange à ton nom, mon béni, mon Père Tubissant. Gloire à toi encore ce soir, Père. Pour cette grâce, nous avons encore entendu encore les chants et les cantiques, Père, pour chanter pour ta gloire à toi, mon béni, mon Père Saint. Dans nos cœurs, dans le silence, béni, mon Père Saint. Bénis ton peuple ce soir. Bénis les cœurs qui t'ont chanté aussi, bénis mes frères, mon Dieu. Les mains qui ont battu, bénis mes Dieu. Les instruments qui ont joué, Père. Chaque heure et chaque homme encore ce soir. Qui s'est aussi réjoui encore dans ta maison à toi, Père. Merci parce que tu prends le contrôle de chaque chose encore aujourd'hui, Père Saint. Oh Dieu, soutiens chacun de nous, Père. Merci encore pour le psaume, mon béni Père Dieu. Merci encore pour l'adoration, encore béni Père Dieu. La joie va te louer, Père. Et chanter réellement la gloire de ton Seigneur, béni Père Dieu. Fortifie chacun de nous encore ce soir. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont aussi à l'écoute ce soir. Qu'ils soient aussi bénis dans ce lieu, c'est moi, béni Père Dieu. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Comme le corps il le dit, il est un nom, un nom béni et saint. Et c'est à cela que nous nous accrochons aussi, parce que comme ces bien-aimés ont pu arriver à pouvoir l'exprimer aussi d'une manière aussi claire et précise, c'est à cela que nous accrochons. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les ciels parmi les hommes par lesquels nous pouvions être sauvés. C'est à ce nom que nous nous accrochons et que nous remercions notre Dieu de s'être aussi révélé à nous, de manière à ce que nous sachions réellement comment nous comporter, parce que l'Écriture dit que celui qui prononce le nom du Seigneur puisse s'éloigner de l'iniquité. Et nous réalisons effectivement que nous avons un privilège, un honneur grandiose, effectivement, de pouvoir porter effectivement ce nom. Et quand nous le portons, nous remercions notre Dieu, ce que réellement il nous a accordé aussi cette grâce. Nous ne cesserons de pouvoir nous réjouir et d'être reconnaissants au Seigneur aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre pour la grandeur de la grâce qu'il a manifestée à notre endroit. Parce que nous savons que, et nous devons être aussi conscients et certains qu'un jour viendra où nous devrons quitter cette terre. Ça pourrait être que nous partirons effectivement lorsque la dernière trompette retentira, ou ça sera peut-être avant que la trompette ne puisse retentir pendant que nous sommes vivants, mais lorsque nous serons donc endormis. Alors nous devons nous préparer pour que lorsque ce moment-là viendra, nous puissions réellement être dans l'assurance que nous partons gardé et protégé par lui entre ses mains. Nous combattons pour que nous puissions demeurer réellement dans la foi avec lui, sachant que si nous écartons de cela, que nous nous éloignons, nous ne serons plus agréables au Seigneur. Nous devons garder cette foi, cette assurance, cette espérance depuis les débuts que nous avons commencé, parce que nous sommes dans la course jusqu'à la fin. Parce que si on a commencé qu'au milieu, évidemment, on baisse les bras, nous ne pourrons pas arriver. Nous savons que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il faut que réellement qu'il puisse réellement continuer à persévérer si c'est le combat, si c'est effectivement la course, effectivement, il faut que nous puissions persévérer jusqu'à ce que nous puissions arriver jusqu'à à la ligne d'arrivée. Comme l'apôtre Paul l'a dit, lorsqu'il a regardé Timothée, il lui disait effectivement ce qu'il lui a dit. Et puis il a dit, mais moi, je combattu les bons combats. Et c'est que j'ai cette animation, mais mon temps est arrivé, effectivement. Je combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Et
désormais la couronne me réservée. Et il savait que son temps sur la terre était arrivé donc à la fin. Et il pouvait glorifier le Seigneur et le remercier parce que même lorsqu'il était avec les anciens, lorsqu'il avait fait venir effectivement, je crois, c'était un fait ou quelque chose comme ça, je suppose que c'est cela, mais il leur a fait comprendre que je sais que vous ne verrez plus mon visage. Donc vous vous rendez compte que cet homme, il était conscient que ces moments qu'il passait avec ceux-là auxquels il a eu à pouvoir apporter effectivement la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, et qui, auquel il avait donc aussi persévéré à pouvoir aussi leur montrer en réalité l'importance de pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu, parce qu'il dit effectivement que je sais qu'il s'entraînera parmi vous des loups. Ils ne reparleront pas le troupeau. Il avait la tristesse, la douleur, mais il savait que comme il partait là à Jérusalem, il partait pour ne plus revenir. Donc il savait effectivement que ses jours étaient donc comptés, mais il avait donc cette assurance que certainement qu'il verrait le Seigneur, parce qu'il est resté accroché aux choses de Dieu jusqu'à la fin, gardant la parole du Seigneur et ayant réellement foi dans ses sauveurs, ses Jésus, pour lesquels il a accepté de pouvoir souffrir, parce que le Seigneur a dit à Ananias, il dit, c'est un homme que j'ai choisi et je lui ferai voir tout ce qu'il va souffrir pour moi, effectivement. Et cet homme ici, effectivement, Paul, savait que toute sa vie, effectivement, depuis le jour où le Seigneur l'avait saisi, et ce ne serait pas une vie facile au sens humain, mais une vie agréable spirituellement. Donc, il ne devait pas, il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'élasser de pouvoir servir ce Dieu, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais jour, que ce soit dans les périodes de joie ou de tristesse, effectivement, lui savait pourquoi il était là. Chacun de nous doit aussi être conscient que chaque fois que nous nous rassemblons, ce n'est pas par habitude. Nous nous rassemblons parce que nous voulons toujours devenir meilleurs. Et aussi, dans notre marche aussi, nous rapprocher davantage du Seigneur pour que, si mes yeux se ferment, que je ne puisse pas voir un trou noir devant moi, mais que je puisse voir celui qui m'attend de l'autre côté. Amen. Parce que lorsque les gens s'en vont, effectivement, à cet moment, il y a un trou noir et ils ne savent pas tellement très bien où est-ce qu'ils en sont, effectivement. C'est comme s'ils se plongent dans le trou noir sans fond, effectivement. Mais toi, quand cela doit arriver, il faut qu'effectivement que la lumière se pointe à l'horizon et que tes yeux se lèvent vers lui, dire, Seigneur, sur la terre, je n'ai servi que toi. Et maintenant, aux cieux, je ne veux voir que toi. Oui, c'est pourquoi nous souffrons. C'est pour ça que la Bible dit qu'effectivement, que c'est une grâce non seulement de croire en lui, mais encore de pouvoir souffrir pour lui. Nous sommes appelés à pouvoir réellement être revêtus aussi de cette pensée de Christ, effectivement, que et comme lui, il était, c'est comme cela que tous ceux qui l'aiment réellement doivent arriver à pouvoir être revêtus de cette pensée. Et savoir que nous sommes réellement tout à fait différents. Nous ne sommes pas de ce monde, comme il a prié en disant, nous ne sommes pas du monde, mais préserve-le du mal. Et nous savons que le monde n'est pas notre endroit. Nous sommes là, étrangers, et aussi voyageurs. Jour, nous devons donc rentrer chez nous, d'où nous venons, parce que nous venons de quelque part. Nous savons maintenant d'où nous venons. Nous ne venons pas de la Belgique, nous ne venons pas de l'Afrique, nous ne venons pas de l'Australie. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'avant, quand nous étions des ignorants, on dit, moi, je suis africain, je ne sais pas, je suis congolais, je suis italien, je ne sais pas. C'est vrai, humainement parlant, mais nous ne venons pas de l'Italie. Nous ne venons pas du Congo, nous ne venons pas de l'Amérique, nous ne venons pas de la Suisse ou du Japon. Nous venons d'en haut. C'est la vérité. S'il n'était qu'un abri temporaire, mais nous savons que c'est pourquoi nous avons trouvé grâce à ses yeux pour qu'il fasse tomber les écailles. Et que nous réalisons que nous sommes allés dans les livres que nous avons lus, Timothée, nous pouvons lever, lire cette écriture-là. Timothée, je crois que c'était là, au chapitre 2, juste
Oui, un Timothée au chapitre 2, c'est ça. Lisons donc le verset 3. Il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Ce soir, nous voulons encore te dire merci, notre Père, qui glorifie ton Saint-Nom pour ta grandeur et ton amour et ta bonté à notre endroit. Jamais tu nous as laissés seuls, mais tu nous as toujours conduits et éclairés, Père. Et nous sommes dans la joie d'être revenus encore dans ta maison, Père, comme mon précieux frère l'a prié, pour que tu puisses nous aider encore à pouvoir entendre ta voix, que tu puisses vraiment nous accorder la grâce de pouvoir recevoir une parole de ta part, pour bénir notre Saint, que en sortant de cet endroit, nous puissions toujours être plus forts. Et plus fort et plus fort encore davantage, comme l'Écriture nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Aide-nous encore ce soir, mon Père, et accorde-nous encore ta grâce pour ce qui. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voyez-vous, c'est cela ce que les Saintes Écritures nous montrent et nous font part, effectivement, quand elles nous a dit les choses qu'il nous est donc demandé, comme nous l'avons entendu dimanche, par la bouche de l'apôtre Paul, effectivement, et parlant à Timothée, et que nous avons compris effectivement à qui est-ce qu'il s'adressait. Nous avons compris que effectivement Timothée était cet enfant qu'il aimait, auquel effectivement il avait eu à pouvoir aussi apporter la parole, et qui s'est donné à la parole de Dieu et lui dit en réalité ce qu'il est censé pouvoir faire en tant qu'enfant de Dieu. Et puis il nous dit que cela, ce que je vous ai donc dit, est quelque chose qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ce qui veut dire que le Seigneur, il prend vraiment, il se réjouit de ce que, lorsque nous faisons la chose comme lui, il veut que cela soit fait. Alors il dit, c'est que ce Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez bien entendu effectivement ce que l'Écriture dit, tous les hommes. Et c'est vrai que c'est ce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir du Seigneur. Que ces hommes-là tous parviennent effectivement à la connaissance de la vérité. Mais non! Ceci est quelque chose de très important. Sur cette terre où se trouvent effectivement les êtres humains, parce qu'il ne faut jamais croire, ils peuvent vous dire ce qu'ils peuvent, effectivement, la science peut dire, effectivement, ils dépenseront des millions et des milliards pour vous dire qu'en réalité, qu'il n'y a pas seulement des êtres vivants sur cette terre ici, la planète Terre, mais il y en a encore sur la planète Mars. Ils pourront scruter, effectivement, les planètes jusqu'à fin fond, pour trouver des êtres vivants comme des êtres humains, il n'y en a pas. Quand on entend, oui, on a vu, il y a des gens qui vous disent effectivement qu'on a vu effectivement que des extraterrestres, des signes effectivement, là-bas, à gauche et à droite, qui ont fait effectivement, qui sont venus, qui sont... Il n'y a pas d'autres créatures, effectivement, c'est-à-dire que des êtres vivants, parlant, agissant avec intelligence, si ce n'est que sur la terre, où Dieu a créé l'homme et qui a placé l'homme sur la terre. Donc, s'ils veulent réellement bien savoir effectivement à quoi servent effectivement d'autres, on peut voir effectivement comme planète ici. Mais c'est écrit dans les Saintes Écritures, dans Genèse. Donc Dieu a eu à pouvoir placer les astres à gauche et à droite. Il sait effectivement pourquoi il a fait. La Bible en parle effectivement cela. Bon, nous y allons pas maintenant. Donc, les Saintes Écritures nous fait que savoir que le Seigneur, notre Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il veut vraiment que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité.
Alors remarquez bien, frères et sœurs, nous pouvons nous observer dans cela, nous poser la question de pouvoir savoir, mais ça c'est la volonté de Dieu, parce que quand Dieu le veut, c'est les désirs de son cœur. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand nous regardons effectivement dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si nous regardons effectivement en rapport avec ce qu'on appelle la vérité, si nous allons dans les domaines religieux, par exemple, prenons peut-être le domaine peut-être des associations ou de groupes et des hommes, effectivement, que ce soit même dans les tribunaux, j'en sais rien, partout, effectivement, quand vous allez chercher à pouvoir trouver réellement la vérité, en réalité, sans effectivement, vous trouverez qu'effectivement qu'il y a certainement beaucoup de situations difficiles par rapport aux hommes eux-mêmes, en face de ce qu'on appelle la vérité. Alors, quand nous allons aussi dans les religions, les églises, qu'est-ce que nous rencontrons, effectivement? Si vous allez chez les catholiques vont vous dire que nous avons la vérité. N'est-ce pas vrai? Si nous allons, effectivement, chez les pentecôtistes aussi, ils vont vous dire la même chose. Les baptistes vont vous dire aussi la même chose. C'est-à-dire, chez les marmétans, c'est cela, effectivement, ils vont vous dire aussi la même chose. Que chez nous, c'est vraiment la religion vraie. Chez nous, c'est la voie véritable. Or, ce que Dieu veut, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, je crois que quelque part dans le livre, je pense que c'est dans les Saintes Écritures, tu crois que c'est Amos. Je crois que c'est Amos. Voyons voir un peu Amos au chapitre 8. Je suppose que c'est cela que nous devons peut-être retrouver. C'est là que j'ai trouvé ce chiffre, je ne me trompe pas. Mais c'est peut-être Amos, et je ne sais pas, et Dieu nous aide à pouvoir trouver cela rapidement. Je pense le livre d'Amos, je pense qu'il y a un autre, je ne me trompe pas. On verra bien. Amos. Amos au chapitre 8, verset 11. Voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai, si vous n'avez pas trouvé Amos, c'est, vous savez, c'est avant Jonas et puis Abias, je ne sais pas ce que c'était, après Mosée, si vous savez où se trouve Mosée, Joël. Après Joël, vous n'avez pas la même Bible, moi je vais lire la page, mais bon, c'est après Joël. Après Joël, vous avez Amos. Vous avez trouvé? Vous pouvez regarder ça. Après Joël, vous avez Amos, chapitre 8, il dit, voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Et pourtant, dans les églises quand même, on parle de la parole de Dieu, non? N'est-ce pas vrai? Ben ici, il nous fait pas savoir, il dit, ben, ils iront ça et là, effectivement, par rapport à la parole, ben, ils vont chercher, mais ils ne vont pas la trouver. C'est comme nous parlons, effectivement, en réalité, avec la vérité, ce que les catholiques vont dire que nous sommes la religion vraie, que nous avons la vérité, le pentecôtiste, parce que si les catholiques l'avaient, les pentecôtistes, ils disent aussi qu'ils l'ont. Les baptistes, ils disent aussi qu'ils l'ont. Puis, bah, les presbytériens, comme vous savez, toutes les religions qu'il y avait, chacun dans son groupe, il dit qu'il a. Alors, maintenant, l'homme sur la terre, parce que c'est la volonté de Dieu, que l'homme parvienne, il dit, mais que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cet homme sur la terre, il a besoin de pouvoir connaître en fait la vérité.
Marie-Marie dit que j'en ai, Baptiste dit que j'en ai, effectivement, tout ça. Alors, dans quel sens, dans quelle direction je peux me diriger, moi, pour trouver la vérité? Parce que, écoutez bien, frères et sœurs, si je vais chez les catholiques, j'aurai le cœur palpitant, puisque les baptistes disent que nous, ici, nous avons la vérité. Donc, si je suis avec les catholiques, et ils disent qu'ils ont la vérité, et que les autres disent que j'ai la vérité. Donc, quelque part, je dois me sentir, dire, mais est-ce que c'est sûr et certain qu'il y a ici? Il faut que j'aille aussi voir de l'autre côté. Et quand tu es chez les baptistes, les pauvres disent, mais nous, nous avons la vérité. Tu diras, c'est ça, mais je vais quitter donc le baptiste pour aller effectivement maintenant chez le pentecôtiste pour aller trouver la vérité. Et quand tu arrives chez les baptistes, effectivement, ou bien les pentecôtistes, ils vont dire, les presbytériens disent, nous ici, nous l'avons. Donc, tu dois quitter les pentecôtistes ou les presbytériens pour aller effectivement chez les autres là pour chercher. D'abord, la chose à pouvoir savoir. Lorsque nous cherchons, il faut savoir qu'est-ce que nous cherchons d'abord. Parce que vérité, c'est un mot que tout le monde utilise. Quand on dit, nous avons la vérité, en fait, il faut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que moi je cherche? Oui, je cherche la vérité. Mais en fait, je cherche quoi en réalité? Je cherche la vérité. Maintenant, la question de pouvoir savoir. Vous vous souvenez? Le Seigneur, quand il était amené effectivement dans le trottoir devant Pilate, il a dit, je suis né et je suis dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Et tout celui qui est quoi? Mais il était toujours lire avec vous dans Jean, je pense, au chapitre. Dans Jean, regardez bien, je pense que dans Jean. Tout aussi, je ne sais plus très bien, où il jouit, où il va, où il va, où il va, Jean chapitre 18, verset 33. Pilate, Jean 18, Pilate 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, et moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Il répond, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, mais tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'es dit, je le suis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous suivez maintenant? Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Alors Pilate, tu peux faire effectivement secouer, il dit, qu'est-ce que c'est que donc la vérité? Donc, devons chercher quelque chose, les gens dans ces questions qui doivent comprendre ce que cela veut dire. Parce que, autrement, je serais tourné ici à gauche, on parle de la vérité ici, je vais, on a parlé de la vérité là-bas, j'y vais chercher la vérité là-bas. On a parlé de la vérité ici, mais en fait d'abord, qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que c'est Dieu qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est Dieu qui connaît ce que c'est que cette vérité-là. Amen. Parce que les hommes réellement arrivent à voir penser comme vérité, mais la vérité que Dieu pense comme étant la vérité pour lui. Et c'est ça que l'homme doit d'abord comprendre, qu'est-ce que c'est que cette vérité-là que Dieu veut que l'homme puisse arriver à voir connaître. C'est là que devient la responsabilité. Je veux que vous voyez quelque chose ici, mon frère. Dieu est particulier dans sa façon de faire les choses. Amen. Nous devons réaliser maintenant ce que nous sommes. Bien sûr, mon frère et ma soeur. La Bible n'a-t-il pas dit que les hommes rendront compte, effectivement, et chacun sera jugé selon ses œuvres, n'est-ce pas? Regardez. Nous avons entendu que, d'abord,
Pilate a demandé qu'est-ce que c'est qu'il avait. Quand il a dit, mais je suis né, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc lui qui parlait effectivement de la vérité, il dit, je suis né pour cela. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, effectivement. Il dit, mais quiconque est de la vérité, écoute-moi. Pilate lui dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? Lui, souvenez-vous, le Seigneur Jésus avait une tâche, une responsabilité parce qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité. C'est pas vrai? Donc, lui, il avait cette responsabilité. Je vais vous ramener à quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Le Seigneur dit, tu crois dans les Saintes Écritures, dans Romains au chapitre 10, vous connaissez l'Écriture. Parce que l'Écriture dit, oh, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et les grecs. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous voulez qu'on lise, non? Car en effet, ils ont tous un seul Seigneur. C'est un verbe, n'est-ce pas vrai? Amen. Parce que l'Écriture dit, quiconque, écoutez bien, invoquera le nom du Seigneur, sera. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur a dit non? Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque va m'invoquer. C'est ça ce que j'ai dit. Il sera sauvé. Et plus bas, on me dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, il y a une responsabilité quelque part. Est-ce que vous suivez? Amen. Pour qu'il puisse invoquer la personne. Parce que Dieu a dit, c'est lui qui va m'invoquer. Comment invoqueront-ils celui en qui entendu pas? C'est ce que l'Écriture nous fait savoir. Pour que nous comprenions. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux, vos oreilles. Là où réside la responsabilité. Alors, qui a la responsabilité là? L'Écriture dit. Nous allons lire avec vous, les deux, pour que vous puissiez voir. Regardez. Romains, chapitre 10. Ok. Regarde. Il me dit ici, verset. Verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est pas vrai? Verset 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment pourront-ils arriver à invoquer un Dieu auquel ils n'ont pas cru? Et puis, Bible le dit, et comment croiront-ils? Dieu soit béni, il est bon ce Dieu. En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Vous entendez cela? Hein? Pour qu'ils arrivent effectivement à invoquer, il faut effectivement qu'ils entendent parler pour croire en lui, effectivement. Et comment entendront-ils, comment entendront-ils parler de lui? S'il n'y a personne qui prêche. Or, pour qu'ils arrivent à pouvoir entendre parler de lui, il faut qu'il y ait quand même des hommes. Amen. Suivez, frères et sœurs. Parce que pour qu'ils parviennent à croire, effectivement, il faut qu'ils aient entendu. Mais ce n'est pas de manière à ce que les hommes trouvent le moyen d'entendre, effectivement, mais c'est par la voix que Dieu a pourvu, par la voix de la prédication. Amen. Amen. Parce que le salut ne vient pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, mon frère. La foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai, non? Parce que ici, c'est écrit quoi? Regardez bien. Oh. Ah, verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient pas, c'est pas car c'est en voyant des yeux. Vous entendez cela? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit l'Écriture. Ainsi, quiconque croit en lui ne fera point confus. Vous comprenez? Alors, effectivement, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Comment
invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous suivez cela? Et puis on nous répond plus animé. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, c'est lui qui est choisi, qui est envoyé de Dieu. Il a la responsabilité, vous suivez, de pouvoir apporter maintenant ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut sauver, vous suivez? Et c'est Dieu qui pourvoit le moyen par lequel les hommes puissent arriver à pouvoir atteindre le salut. Donc, c'est comme ça. Vous savez, mais comment y aura-t-il des prédicateurs? Parce que chacun peut se faire prédicateur, mais ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Amen. Est-ce que vous suivez? Que Dieu te bénisse. Amen. Ce n'est pas de cela dont Dieu a besoin. Le prédicateur dont les hommes sur la terre ont besoin, l'humanité a besoin, ce sont des prédicateurs envoyés. Amen. Amen. Est-ce que la Créature dit non? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pas s'ils viennent effectivement d'une formation. Non. Ici, il s'agit d'envoyer. Amen. Envoyer par qui? Mais par l'auteur du salut. Amen. Alors, aujourd'hui, les hommes veulent connaître la vérité, mon frère. Parce que Dieu, le Seigneur, il faudrait que vous voyez cela. Le Seigneur a dit ce que il veut, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Qui peut réellement apporter la parole de Dieu si ce n'est celui qui d'abord qui a eu à pouvoir d'abord expérimenter, c'est Dieu, le recevoir, savoir le salut, l'importance de la parole qui vient au salut, pour que lui-même, comme l'apôtre Jean dit, ah, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi. À vous aussi, enfin, que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Parce que notre communion est avec le Père et avec son Fils. Est-ce que vous suivez? Amen. J'aime bien que les gens qui s'asseyent, s'asseyent bien, qu'il faut que, par une position, on sent qu'il y a du respect en suivant, en écoutant. C'est important pour nous, c'est important aussi pour l'atmosphère. Alors, vous avez bien remarqué cela, effectivement. En réalité, comme il a expliqué, c'est-à-dire que il a la chose, il a reçu la chose. Alors il peut maintenant aussi arriver, il a donc la tâche, la responsabilité. Comme, effectivement, quand on parle du salut, effectivement, parce qu'il a parlé, tous les hommes soient sauvés, suivez, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir nous montrer, effectivement, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes? Lorsque Paul, et Barnabas, effectivement, était insulté, injurié par les autres, effectivement, qui étaient des religieux, et effectivement, les Juifs, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous vous jugez vous-même indigne de la vérité. Vous connaissez, non? Ah, qu'est-ce qu'il a dit encore? Regardez bien. Acte 13, regardez très bien. Acte 13, vous connaissez l'Écriture. Bon, d'ailleurs, acte 13, voilà. Voilà. Verset 46, il dit, 45, 46, 47, il dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Verset 47. Car, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations. Pourquoi faire? Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cet homme, l'apôtre Paul, il savait ce qu'il avait comme responsabilité. Pourquoi? Dans Acte 20, effectivement, il a prié en pleurant, il a dit, mais il dit, je suis vraiment libre du sang de chacun de vous. Bien sûr, mon frère et ma soeur, il dit, mais quand je vous ai donné tous les conseils de Dieu,
Vous souvenez de l'écriture, non? Amen. Bien sûr. Et là, regardez bien, dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il dit, mais je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Il savait, Paul, la responsabilité qu'il avait, et aussi, effectivement, de ceux-là qui l'écoutaient aussi. Il a dit, effectivement, aussi la même chose à Timothée, cet enfant qu'il aimait tant. Parce qu'il dit, mais Timothée, ce que tu entends de moi, dis-le aussi aux autres. Et rapporte-le aussi fidèlement. Et puis écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit, écoutez, je pense que je vais lire rapidement cela. Alors, à Timothée, je pense, au chapitre 2, moi, Et Timothée 4. Et Timothée 4. Merci. Très bien. Merci. Je vais commencer à vous verser. J'aime bien cela. Cela est une parole certaine et entièrement d'être reçue. Verset 10, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Vous entendez cela? J'aime Dieu. Le sauveur de tous les hommes et surtout les croyants. Amen. Vous avez compris? Amen. Oui. Alors, vous avez vraiment compris ça? Amen. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour et en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Tu veux? Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu verras quoi? Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, la responsabilité, il est énorme. Paul le savait. Paul n'était pas un comédien. Il savait que les autres étaient des comédiens, mais les autres étaient plus populaires que Paul. C'était que des cymbales, c'était en disant, il n'y avait rien dedans, c'était vivant. Mais lui savait, parce qu'il disait, je reçus du Seigneur, moi. Ce que je vous ai enseigné. C'est vrai que je ne suis pas populaire, comme il dit effectivement, mais je me suis dit, Seigneur, ce que moi je vous ai enseigné. Alors, si vous le mettez en pratique, effectivement, alors vous verrez effectivement que votre vie changera. Dieu agira effectivement, parce que je sais ce que je vous dis. C'est ce qu'il en était. Donc, cet homme avait donc reçu cela de la part du Seigneur et. Il sentait, il savait la responsabilité qu'il avait. C'est pourquoi vous pouvez le voir. Il parcourait là-bas, même là, un Macédonien, il était là. Il dit, mais voilà, la Macédoine partout, effectivement, parce que Dieu voulait que sa parole. Et pourtant, il y avait beaucoup d'hommes, effectivement, qui pouvaient dire que nous prêchons Christ, effectivement, que nous pouvons faire ceci. Il y en avait, effectivement. Mais il y avait quelque chose de tout à fait particulier avec Paul. L'exemple, pour que nous comprenions ce qu'il avait reçu et la responsabilité qui était aussi attachée à cela. Maintenant, quand nous revenons en rapport avec la vérité, comme nous le disons tout à l'heure, le Seigneur veut que tous les hommes parviennent, s'il vous plaît, à la connaissance de la vérité. Et pour cela d'abord, il faut que on comprenne d'abord qu'est-ce que c'est que la vérité, comme Pilate a posé la question au Seigneur lui-même. Et Dieu qui parle effectivement de la vérité, ce n'est pas la vérité selon la pensée des hommes, ou selon la conception des hommes, effectivement, mais la vérité selon la pensée, la conception de Dieu. Alors, qui peut connaître la vérité selon la pensée, la conception de Dieu, si ce n'est celui à qui Dieu s'est révélé réellement? Amen. Amen. Dieu doit se révéler à toi et te dire qu'est-ce que c'est pour lui qui est la vérité. Amen. Amen.
Est-ce que vous saisissez? Amen. Amen. Pourquoi? Il est dit lui-même, il dit, je te loue, Seigneur, du ciel de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Et tu l'as révélé aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous réalisez, frère, même à chaque fois que nous avons réunion, que la parole de Dieu est prêchée, il n'y a pas beaucoup qui prêtent vraiment attention, qui saisissent vraiment la chose que Dieu nous donne. La majorité ont crié Alléluia, gloire à Dieu. Mais en fait, quelque part, parce que Dieu a une façon particulière de parler, mon frère. La foule entend, c'est vrai, c'est comme la vérité aujourd'hui. Tout le monde dit, nous avons la vérité, effectivement. Mais en fait, en réalité, est-ce que les gens ont compris qu'est-ce que c'est que vraiment la vérité? Vous voyez, il y avait beaucoup, hein. Il était dans la foule, effectivement, il parlait, il prêchait, effectivement. Mais c'est quand il s'est tourné vers eux. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Vous savez ce qu'il leur a dit? Regardez bien. Je crois que au livre de Jean, je pense que c'est peut-être là. Il nous est passé dans le cœur. Voilà. Jean chapitre 14, je crois. Oui. Ah. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Pendant qu'il parlait là comme ça, il parlait à la foule. Et pourtant, avant, la foule le suivait, non? Beaucoup de milliers qui suivaient, effectivement. Et quand il devait parler de ces choses-là, il n'y avait pas la foule. Hein? Vous savez combien de personnes il y avait? Est-ce que vous savez? Il y avait combien? Non, non. Non, parce que ce jour-là, c'était... Qu'il faut dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, ça n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et s'il a fait la promesse aux 12, c'est que les démons devaient rentrer. Mais c'est vrai, parce qu'il est dans les 13, on l'a déjà vu avec vous. Les 13, il est déjà parti. Et ici, c'est pourquoi il faut que vous prêtiez pour l'amour de Dieu. Attention à la parole que vous écoutez. Ne venez pas par habitude, frère, parce qu'un jour, nous ne serons plus là. Je vous en supplie, au nom du Seigneur. Un jour, nous ne serons plus là. Ne perdez pas votre temps. Habitude, je viens. Non, il faut que tu prêtes attention quand tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois retenir? Je veux recevoir quelque chose aujourd'hui. Et par les paroles qui sont effectivement, Dieu place quelque chose en toi. Il ne veut pas être 12 ici, non. 11. Parce que Judas était déjà parti. Vous savez très bien, parce qu'ici, il fait venir les dîmes. Il dit, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je voudrais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et s'il avait fait cette promesse à Judas, il devait le garder. Ah oui, Dieu, il a sa parole, non? Sur ce temps. Mais il a d'abord attendu que Satan se manifeste dans son fils. Quand il est parti, il dit, ah, le fils de la prédiction est parti. À vous, oui. Maintenant, je peux vous le dire. C'est vrai, Dieu précis. Et puis il dit, je vous prendrai avec moi, et là où, en fait, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ah, ah. Il lui répond, Jésus lui dit, moi ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ah oui, la question que Pilate avait posée, effectivement, et la réponse est là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, que de grâce. Il te dit que moi ici, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis tout en fait. Donc, nous devons nous poser la question pour pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu voit et qu'est-ce que Dieu pense effectivement dans sa pensée lorsqu'il dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est à ses disciples, en fait, qui s'adresse parce qu'il a dit une parole dans Jean chapitre 8, il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment... Il n'a pas dit que si vous
croyez en moi directement, vous êtes dans la vérité. Et on dit, mais si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il faut bien que quand le Seigneur parle, frère, il n'est pas un homme comme nous de mélanger les paroles. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il sait pourquoi il a placé chaque mot à sa place. Donc, il n'y a pas à pouvoir passer par autre chemin. Non, il y a d'abord un cheminement qu'il a établi que toi, tu dois comprendre et saisir. Celui qui écoute, effectivement, l'autre, il ne fait pas attention. Mais toi, ça frappe quelque part. Oh, Seigneur Jésus, je n'avais pas vu ça comme ça. Oui, monsieur. Tout le monde écoute, ah oui, c'est vrai, il a dit, mais toi, ah non, là, mon Dieu, et quand on a lu, quand j'ai entendu, quand tu me dis, mais attention, je regarde, il dit, mais oh, Seigneur. Je dis, oh, pourquoi tu as crié oh? Moi, je vois. Enfin, chacun doit arriver à pouvoir réaliser que Dieu est particulier dans sa façon de faire les choses. Et quand tu es assis dans un lieu, ne suis pas les mouvements de la foule. Toi, suis effectivement le mouvement de l'esprit, ce que le Saint-Esprit veut dire. Peut-être que cette foule-là, c'est simplement, vous savez, comme on a suivi effectivement dans le movie, vous connaissez en fait, quand on avait parlé d'ici, effectivement, en rapport avec les figurants. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Tout ce qu'on voit là, c'est les figurants qui passent ici, mais il y a seulement un acteur. Et là, celui qui a un rôle principal, il doit être attentif. Et les gens qui regardent, effectivement, vous pensez des figurants. Mais qu'est-ce que l'acteur dit? Qu'est-ce qu'il fait principal? Et vous avez dit, mais ce n'est pas dans la foule que Dieu... Non, c'est avec des individus. Amen. Pourquoi lui, il ne fait pas comme la Bible dit, mais il ne faut pas te préoccuper. Voilà. Préoccupe de ton âme à toi. Amen. Il est là, s'il est figurant, mais toi, tu es l'acteur principal. Amen. Et c'est à toi que Dieu parle, effectivement, que Dieu veut lui dire, mais c'est de toi dont je parle. Même si tout le pays est venu, ce n'est pas le pays, c'est toi que je cherche. Amen. Amen. Mais c'est vrai, frère, pour l'amour du Seigneur Jésus, je ne sais pas, mais regardez très bien, frère. Et vous pensez que l'édit du roi pour l'essentiellement, c'était pour le pays tout entier? Non, c'était pour Marie. Amen. Mais oui. Amen. Marie, dont le Seigneur visait Marie. Amen. C'est-à-dire que, à cause d'elle, effectivement, il y a eu tout le monde. Oh, on fait l'essentiellement, mais oh là 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 là. C'était pas le but, c'est pas. Mais c'était Marie qu'on visait. Alors Amen. Dieu a fait en sorte qu'il y ait un mouvement comme ça pour que. Et c'est sans pousser à pouvoir s'élever et pas autrement aller rester là. Amen. Je suis enceinte, je suis fatigué, je ne bouge pas. Non, maintenant c'est le roi qui dit bouge-toi. Amen. Donc, Amen. Dieu peut secouer le monde à cause de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci. Je voudrais glorifier ton Seigneur encore ce soir pour la grâce que tu fais pour nous accorder. Nous sommes heureux de pouvoir être à toi. Oh Père, tu nous aimes vraiment. Tu nous pardonnes encore de recevoir, que tu nous aides à pouvoir vraiment réaliser la grâce profonde, mon Père. Alors qu'aujourd'hui, les gens t'attendent, mon bien-aimé, pas du sang. Oh Jésus, si ton peuple pouvait réaliser que la grâce nous avons, que la grâce nous pouvons avoir, Père. Pas du fanatisme, mais une réalité, mon bien-aimé, pas du sang. Va réaliser la grâce de pouvoir t'avoir, toi, d'être éclairé, d'être conduit. Tout ce que toi, tu as fait de nos pères, dans ce monde dans lequel nous sommes, mon bien-aimé, Père Saint. Que ton nom soit béni. Je t'aime, mon roi, je te remercie encore, Père Saint, pour ces âmes qui sont à toi et qui ont aussi cette soif, ce désir de pouvoir davantage te connaître aussi, te servir, Père Puissant, étant disposé encore à pouvoir vraiment avoir un cœur ouvert, écouter encore, mon roi. Nous voulons, beaucoup de jours, mon Père Puissant, de tes pieds. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, Père Saint, c'est vrai, Père. Oh Dieu, pour Marie, tu as fait tout le royaume tout entier, bien entendu, tu as secoué tout, tu as tout soumis, tu as montré que réellement pour une seule personne qui est à toi, Père, tu es capable de pouvoir être puissant, faire des choses aussi comme pour nous, Père. Je te remercie encore pour ce soir, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, notre cœur disposé pour toi, bien personne, pour te servir encore, Père. Merci pour l'amour que tu nous témoignes et pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes heureux d'être à toi et nous sommes dans la joie. Père, instruis-nous, nous serons instruits. Éclaire-nous, nous serons éclairés. Et bénis-nous, nous serons bénis, Père. Oh, souviens-toi de nous. Aide-nous, Père, à réaliser vraiment le Père combien, Seigneur, nous avons trouvé grâce, nous voulons vraiment nous identifier davantage à toi parce que le monde se meurt. Tu l'as dit, lève-toi
et sois décrété Père, c'est ton suprême roi. Tu es notre Dieu et tu es notre secours, notre soutien. Bénis ton peuple ce soir, soutiens. Fortifie, accompagne, mais ne me pas puissant, et agis encore à cause de ton service. Nous te remercions encore, mon Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Mon nom, le Seigneur, le Seigneur, le Fils. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Je regarde au loin.